Merveille France, caca poum, caca poum. Ah! Alors, nous sommes le samedi. On est déjà samedi. Samedi, le 5 mars. Le 6. Et alors, le canard enchaîné du. Alors, tout d'abord, je voulais dire. Something is wrong here in this room. For people, they ever see aspire, c'est un tourbillon, une araignée au plafond, ceux où ça va pas. Il y a toujours des gens, mais quelque chose qui ne va pas. Alors j'ai fait exprès, mais oh, les experts psychiatriques vont se dire, ce Philippe Stocker, service là, faut l'interrompre. Alors j'ai fait exprès pour ceux qui, les perfectionnistes, ceux qui ne voient que le bien. J'ai mis un rouleau de PQ sur la poubelle, c'est fait exprès. Moi c'était du montage, c'était. Alors, on recommence. Eh, je sais, je fume trop. Mais Gainsbourg, il a enterré trois cardiologues. Alors si le docteur. Cardio, docteur Caroline Berthiaud me voit. Non, je souhaite pas. Je souhaite pas. Je souhaite la mort de personne. Alors, canard enchaîné du mercredi 27 janvier, l'homme de la situation, c'est Olivier Marion. Alors, aujourd'hui, ceux qui sont testés positifs au Covid-19, 60%, c'est la souche anglaise qui est hyper, 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 hyper contagieuse. Restez chez vous. Enfermez-vous, restez cloisonnés. Baillonnez-vous. Alors, je dis toujours, je suis peut-être tombé dans la marmite étant petit, ça c'est sûr. Ah, comme disait, je ne sais plus comment il s'appelait. Il dit un farfefeur, finalement ça vient de la confiture. Voilà. Que dire de plus, sinon je viens de voir un documentaire de Mediapart, mais alors complètement hallucinant. Concernant une dame, donc, dont le mari avait des relations incestueuses avec sa fille, et la justice. Oi, 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 oi. Ah, je vais pas me faire des coups, c'est sûr. Incredible. Alors j'en profite pour dire que je vais peut-être fermer ma gueule. Vous pouvez toujours m'appeler les experts. Ah, j'ai fait aussi un truc là. J'ai mis un commentaire sur. Une vidéo du docteur psychiatre. Ah, j'ai deux amis dans la vie, moi, deux types d'amis. C'est les bangsters. The bangsters. The bangsters. They are on the ring, the drug money. Et les psychiatres. Ils ont fini par m'interner. Peace. And love. N'est-ce pas, rempli? Et donc de continuer. Voilà, donc Laurent Carilla, il fait des documentaires. Il a répertorié l'addiction en cinq catégories. Les drogues, il y a alcool, drogue, etc. Le sucre, les jeux, les écrans et le tabac. Il a précisé si c'était avec du shit de ou pas. Ah, on va couper au montage. Alors, moi je viens de lui laisser un commentaire. Je lui ai laissé un commentaire sur une vidéo YouTube que je viens de partager sur Facebook. Et dont j'ai invité par tweet juste avant Aiguille Plenel et Fabrice Arfi à regarder. On ne peut pas se revendiquer être un expert en addictologie. Si on propose en contrepartie de ces conférences la vente d'un bouquin, sachant que la consommation est la pire des addictions. Comme disait George Carlin, it's consumption,
The new national pastime frog baseball. They spend billions of dollars lobbying to tell you what to believe, what to think, and what to buy. The table is still lit, folks. The game is rigged, and nobody seems to notice, nobody seems to care. J'ai mis sur Robin. Je m'entraîne le soir comme ça. Quand je m'en vais. Alors, je rappelle à toutes les téléspectatrices que je suis un peu comme Georges Marchais. On m'a surnommé dans ce village Peggy, la cochonne, coin-coin, cochon, ça fait pas coin-coin. Allez, psychiatre, on va tenir, c'est sûr. Et que bah, je cherche. Conjointe, une copine quoi. On va passer l'aspirateur. Ah, on va couper au montage. Merde in France, avez-vous planqué les sous à la mode de chez nous?